L'erreur qu'on commet le plus lorsqu'on fait une rondade, c'est de sauter légèrement sur un côté de la piste et placer les mains de l'autre. Ça nous fait perdre énormément de vitesse, ce qui nous empêche totalement de faire une figure juste derrière. Donc ça, c'est vraiment évité. Pour faire une vraie rondade, il faut commencer par un sursaut. Il faut donc sauter en avant, les pieds joints et les bras aux oreilles. On place ensuite son pied d'appel devant soi et on va poser la première main au sol. Il faut poser la main sur le côté qui lui est opposé. Autrement dit, si vous posez votre main gauche, vous la poserez légèrement à votre droite. La main doit être à peu près tournée à 90 degrés. Dans un deuxième temps, on lance sa jambe arrière vers le haut et non pas sur le côté, et on pousse sur son pied d'appel pour placer la seconde main de l'autre côté de la ligne. Il faut que la deuxième main soit perpendiculaire à la première. On finit par une petite impulsion dans les mains qui va nous permettre de nous redresser tout en gardant un maximum de vitesse.